Salut à tous. Ouh, il y a de l'écho. C'est bon, c'est réglé. Pas mal du tout cette musique. Et on se retrouve pour le troisième stream, troisième épisode du Let's Play sur Nier Automata. Je sais qu'hier, on s'était tapé violent juste avant la fin, avant d'arrêter le stream sur ce jeu. On a plein de trucs à faire, on a des quêtes dans tous les sens. Je me rappelle plus de rien. Il va falloir s'y remettre et relire tout ce beau bordel. Hop. Voilà, on s'est arrêté dans la base. Le son du jeu, hop, tout de suite. Voilà. Merci à tous ceux qui sont là d'être au rendez-vous. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. C'est parti. Ce troisième épisode de Nier Automata. Bien le bonjour à tous ceux qui sont là déjà. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Se transférer au village de Pascal via un point d'accès. Et okay. Voyons voir un peu toutes les quêtes actives qu'on avait dans le tas. Lettre étrange. Ah, c'est nouveau. Ah oui, vous avez reçu un... Ah oui, je me souviens. Message bizarre. Vous avez reçu un message d'une source inconnue. Contient trois séries de coordonnées. Elle semble indiquer des lieux dans le désert. Hein. Menez l'enquête. Ah, c'est vrai. C'est vrai. J'avais dit qu'il me fallait un béret, une pipe en bois et passer le jeu en noir et blanc. Inventeur de mer, on s'en fout. Le couple errant. Le couple errant, on avait presque fini. Hein. Peuvent-ils bien être? Les études de psycho, on n'était pas assez fort. Disparition de la résistance. Ok. Écoute, on fera comme d'hab, on ira au plus près. Là, ils nous disent de se transférer au village de Pascal. Ah oui, on avait débloqué. On avait débloqué la téléportation. Ça, c'était cool. Ça va nous éviter de courir dans tous les sens maintenant. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait débloqué, ce qu'on avait fait. Il n'y a plus qu'à continuer. Alors, attendez. Voilà. On va se... Message, on avait tout lu. On va se transférer et ils avaient dit le truc de Pascal. Ah, attendez, le petit Pascal. Village de Pascal, voilà. C'est parti. Petit village de Pascalou. Les seuls chargements dans le jeu pour l'instant, c'est quand on se transfère. C'est vraiment pas mal. Hein. Parce que des fois, il y a des grandes zones dans le jeu, il n'y a aucun chargement. C'est assez plaisant. Hop. Ah oui, le fameux village. Avec Sean Paul, hein, on se souvient. Et notre ruban rose. Alors Pascal, qu'est-ce qu'il nous veut? Alors, pourquoi le choix du pacifisme? Qu'en est-il des extraterrestres et les autres machines alors? Depuis des siècles... Musique sympa. Cela m'a fait comprendre que je n'en pouvais plus. D'accord. Les extraterrestres, on voit pas. Je vois pas trop qui c'est, moi. Est-ce que c'est les mecs à moitié à poil contre qui on a essayé de se taper la dernière fois? Les autres machines. Je me souviens de celle-là.
Ah, un nouveau boss. Le royaume sylvestre. Okay. Au nord-est de la cité en ruine. Ok. Passant par le centre commercial. Ah, le centre commercial, c'est où il y avait le mec niveau 20, je crois. Qu'on s'est pas tapé. Oula, t'es bizarre sans barbe, t'as vu ça? Il fait trop chaud, Tsuki. J'ai craqué. Ok. Bon. Très bien, Pascal. Faisons comme ça. Comment ça, Tsuki? Alors, on va voir la carte. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une requête venue de haut. On va y aller, c'est à côté. La disparition de la résistance avec la boîte à musique, ouais. Ça doit être la mission actuelle. On a d'autres trucs. Dans le désert. Ah oui, les coordonnées. Les coordonnées dans le désert. C'est tout ce qu'on a pour l'instant? Bah, écoutez. Écoutez. On va se rendre ici, c'est le plus près. On verra ensuite. Let's go. Ça va très bien, Tsuki, merci. J'avoue qu'au début, quand j'ai lancé Nier Automata, j'étais pas sûr de le finir en stream. Et je me prends au jeu, j'aime bien. Assez joli. Des bonnes musiques, des très bons combats. Pour l'instant, je suis comblé. Juste un peu trop de quêtes, peut-être, à mon goût. Courir à droite à gauche tout le temps. Mais bon. Petit gameplay aux oignons, ça fait plaisir. T'inquiète pas, mon bon vieux Tsuki, on ira sur Dead by Daylight après, bien sûr. C'est une évidence. Alors. On se retrouve dans le royaume du cirque avec tous ces robots complètement pinés. Oh, boîte à musique. Ah, excellent. Yep. J'ai Life is Strange, j'ai fait le tout premier. Je n'ai pas fait le 2. J'ai bien aimé. J'ai pas surkiffé, mais j'ai bien aimé. Ouh, Harry! Comment vas-tu, Harry? J'espère que tu vas bien. Nous, ça va très très bien, écoute. Ah, une quête. Oh putain. On avait déjà pas assez de quêtes. Et bonjour! Bienvenue au parc d'attractions. Voici votre carte à tamponner. Remplissez-la entièrement pour remporter un prix spécial. Les tampons sont dispersés aux quatre coins du parc d'attraction. N'hésitez pas à baisser les yeux et à lever la tête vers le ciel. Et n'en dites rien à personne, mais il paraît que les prix sont vraiment extraordinaires. Allez, filez! Bonne chance! Oh putain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue notre quête? Ou est-ce qu'on fait des attractions? Moi je pense que la question est vite répondue. J'ai acheté le 2, j'ai trop kiffé l'histoire. Ah! Bon bah peut-être que je chopperai le 2 alors. Est-ce que le 2 est mieux que le 1? Ou au moins au même niveau? Allez, faisons au moins une attraction pour voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est juste des tampons à récupérer. Oh merde, oh, je suis déçu. Je m'attendais à des attractions. Oh, c'est quoi ça là-bas? Oh, il y a un mec avec un ruban. Oh! Vous savez que moi, les rubans, j'aime ça. Alors. Ici. Ah non, c'est magasin. C'est ça? Le tampon. Ma foi.
On fait aller, j'essaie de prendre ça à la rigolade, ça vaut mieux. Ah bah oui, ça vaut mieux carrément. Moi ça va nickel, écoute. Un peu la tête dans le cul. Comme tu peux le voir, j'ai perdu 3 kilos de barbe. Mais ça va. Alors, il est où ce tampon? Je suis bien content si toi ça va. Oula, machine en pleurs. Je suppose que vous êtes en quête de l'un de ces stupides tampons, c'est ça? Très bien, je tamponnerai la carte avec mes propres larmes. Je suis déjà allé là-haut? Ah oui, il me semble qu'on est allé, il y avait un trésor. J'espère que Harry, tu es chaud pour le Sasuke numéro 3 demain matin. Peut-être on enchaînera avec le numéro 4. Ça va être le feu. Ah ouais, ah bah voilà. Ils sont à égalité pour moi, mais j'ai plus aimé les musiques du 2. Ah, j'avais bien aimé les musiques du 1. D'accord. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il m'a fait flipper lui. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai un ruban. On a tous les deux un ruban, mec. Calme-toi. Machine en colère. Dégage, réglure. Putain, déjà. Nous autres, les machines, on est vivantes. Tu devrais crever. Vous devriez tous y passer comme ce tampon de merde. Oh, pardon. J'ai pas fait exprès. Est-ce que sur un malentendu, il n'y a pas de témoin? Est-ce que sur un malentendu, on ne niquerait pas sa gueule? Vous savez comment il me parle? Non mais oh! Moi je veux ton ruban jaune. Tiens, die. Voilà. Philippe! Vous le kiffez celui-là, hein? Allez, juste pour Tsuki. Philippe! Et vous savez, avec vos conneries, un jour je vais lancer un stream, on va faire ça pendant une heure. On va se le mater une heure en boucle. transmission de pensée, exactement. Bon, en tout cas, son histoire de tampon. Oula! C'est pas comme ça qu'on fait les pompes, mec. Hein. Oula! Ah ouais. Alors, il est où l'autre tampon? Il est là. Non? Non. Là. On s'amuse. C'est Michael. On est heureux ensemble, ensemble, ensemble. Fuck. Attendez. Ah, faut que je saute là. Non, je peux pas aller dans l'eau. Ok. Ça, maintenant, je le sais. Attendez, il y a une zone rouge. Ça veut dire qu'il y a un tampon, il y a une connerie. Ah, je peux pas passer. Oh, putain. Oh, tant pis, on va pas la faire, cette quête. Ça m'a saoulé. J'ai pas envie de passer mon temps à fouiller un truc. Attendez. Là. Non. Ah, c'est peut-être en haut. Fatch. Allez, la flemme. Quoi? Sœur ballon. Revenez, d'accord. Ok. Allez, on se casse. On se casse, on se casse. Alors, quelle quête on va se faire? Voyons voir la plus proche. Collection de tampons, collection de tampons. Collection de tampons. Ah mais je croyais qu'il y avait... Putain, je croyais qu'il y avait que 4 tampons, moi. Ah non, bah non, bah c'est mort. C'est mort. Qu'est-ce qu'on a ici? Disparition de la résistance. Voilà, on va aller là, c'est juste à côté. Let's go. Sans. On aura une petite vue sur le slip. Au fait, c'est quoi le début du jeu? Je connais pas du tout. Alors, on est un androïde envoyé par les humains sur Terre pour débarrasser la Terre des extraterrestres qui ont chassé, qui voulaient éradiquer les humains. En gros. Et les humains restants se sont... comment dire? Réfugiés sur la Lune.
et ont fabriqué ces androïdes, donc l'androïde dont je fais partie, vous voyez, avec un très beau slip blanc, comme vous pouvez le voir, pour éradiquer ces merdes, pour pouvoir retourner sur leur planète. Et ça fait, on est en l'an 5020, donc ça doit faire un moment que les humains sont plus là. Voilà, pour l'instant c'est à peu près tout ce qu'on sait. Putain, mais il y a des objets de partout. Et on fait des quêtes. Voilà, c'est un RPG japonais. Très beau slip. Ah bah, t'as pas fini de le voir, Harry. C'est simple, quand tu vas sur Steam, c'est marqué, attention, ce jeu est déconseillé à ceux qui ne supportent pas la violence ou la nudité. Voilà. Voilà. Là, si je cours, par exemple. Ouf. Brièvement, mais bonjour, ils commencent tous par bonjour. Je fais affaire à une androïde. Laissez-moi vous poser une question. À votre avis, le monde déborde-t-il d'amour? Non. Ah, je vois. Ah, il fallait dire oui. Merde. Peut-être. Tous besoin d'égayer notre quotidien, j'imagine. Dans ce cas-là, la personne qu'il me faut, monde meilleur, ok. Si c'est une toile d'amour recouvrant le monde entier. Oh, c'est certain. Bien sûr. Un grand défilé. Oh, merde. N'apprécie guère la démonstration de paix. Aussi pourrais-je vous demander d'assurer la protection de notre défilé. Ah, mais bien sûr. Très bien, à présent, que le pouvoir de l'amitié éblouisse le monde. Ouais. Oh putain. Oh, ça commence maintenant? Bon bah go. C'était pas prévu. C'est parti, on va se baston. Ah. Niveau 35. Mais je suis pas prêt pour cette merde, moi. Je suis niveau 15, les mecs. Pourquoi vous me faites me taper? Ils sont trop nombreux. Ils vont se faire démonter, ils vont se faire démonter. Bon bah ils vont tous mourir, on va louper la quête. Il pourrait me prévenir aussi qu'il faut être niveau 30. Pourquoi tant de violence? Je renoncerai pas pour longtemps, je recommencerai. D'accord. Ok, il est sympa. Par contre, il nous laisse dans la merde. Cassons-nous. Le clown de DBD a changé de carrière, on dirait. Ouais, je pense aussi. Attends, on va se faire lui, il est presque dead. Non mais niveau 30, ils sont trop élevés, on va se barrer avant de crever. Arrêtez! Ou les autres vont se moquer de moi. Juste lui là, juste toi je veux te tuer. Attends, on va y arriver, je vous le promets. Pourquoi il vise l'autre? C'est lui moi que je veux. C'est bon, il est dead. Allez, on se casse. Pas le pouvoir du slip. T'es trop nul. Mec, on a 20 niveaux de différence. T'as joué à des RPG, tu sais que 20 niveaux, c'est ouf. Hein. Alors. Oh putain, oh non, il y a trop de quêtes, ça me saoule. Ok. Défilé. Ah, oui. Lettre étrange, ok. On est où? On est là. Ah bah ça va, on est à côté. Il faut aller où? Là-bas. Merde, il faut qu'on y retourne. Oh Grim! Welcome back! Tu es venu là pour le slip?
voyez, c'est un peu le bordel. On s'est tapé contre la grosse machine que vous voyez à moitié dans la terre là. Ah, vous êtes prêts? Je vais vous montrer sa culotte. C'est parti! Culotte! Juste parce que j'aime bien le jeu, mais bien sûr, on est tous dans le même cas, hein. On aime tous le jeu. Alors, on s'en fout, eux ils sont chiants, on va pas se taper contre eux. On va juste ramasser voilà, les objets. Et on va se casser. Ah mais allez. Voilà, merci. Ah, tu vois, quand ils sont niveau 15, tout de suite. Ça reste plus sympathique. Quand on arrive, c'est moi qui interviens. Wow. Shinzo, qu'est-ce que tu branles? Shinzo, merci pour le sub. Oi. Merci beaucoup. Shinzo. Après, le pouvoir du crâne ancestral, le pouvoir du slip ancestral. Exactement. Pouvoir du string blanc. Pouvoir du string blanc. Shinzo, hey, hey. Comment vas-tu? Merci encore pour le sub, Shinzo. Ça, je m'y attendais pas. Tu es content. Hein. Je suis sûr que tu es content de toi, en plus. C'est quoi ce point noir sur la carte? On s'est tapé contre ça la dernière fois. Vous voyez la taille du machin un peu? Putain, Shinzo, merci beaucoup. Petit caillou à l'édifice. Ah, tu fais plaisir, merci. Alors, nous, on avait rendez-vous. Vous voyez le nombre de points sur la carte? Les trucs à faire. Ah oui, il y avait la pêche. Il fallait qu'on essaye de pêcher aussi. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu, Shinzo? Vous êtes nombreux hein, pour le jeu du slip, ça fait plaisir. Quête, putain, ils ont tous des quêtes, vous me faites chier. Il y a un problème. Vous êtes du groupe, hein. Face à des machines. Ah, casser la gueule. Moi, j'aime bien casser la gueule. Ces photos, par exemple. J'imagine qu'elles ont été prises. Où, d'où... Eh ? J'ignore quand elles ont été prises ou d'où elles viennent. Ok. Je sais juste qu'elles sont importantes. Oh, des trésors. Ok. Ah, ça, on sait où c'est. Ça, j'ai une idée d'où c'est. Ouais, bien sûr. Identifier ces lieux. Envoyez-moi les coordonnées géographiques. Cela m'aidera à retrouver la mémoire. Ok. Pas de problème. Alors, il faut qu'on aille filer la boîte à musique. Pour combien t'enlèves ta casquette? Pour 900 000. Ah merde. Pourquoi tu veux que j'enlève ma casquette, Tsuki? Elle te plaît pas, ma casquette Superman? Ça va, la fin des vacances, hélas, mais je reprends lundi. Ah, c'est vrai que Shinzo, moi, je t'ai toujours connu en vacances. Hein. Quasiment. Ah ouais, ah bah, la casquette non, j'aime bien. Je savais pas, moi je suis venu te voir, pas pour le slip à la base. Ah mais tu es venu voir pour dire bonjour, mais tu es resté grâce au slip. Alors la boîte à musique, mais oui. Ah, est-ce qu'elle va nous ouvrir la porte? Ah bon. Bien sûr, merci de m'avoir apporté la boîte, ouvre la porte. Comptez de maintenant, vous serez toujours les bienvenus par ici. Oh, récompense, puce anti-DGT. Je sais pas ce que c'est, DGT. Anti-doigt. Puce anti-doigt. Cumulable. 3. Oh, une puce anti-doigt. Oh, trop bien. Mais oui, c'est clair. Non, bah en fait, c'est fait exprès, Tsuki, pour pas justement que j'enlève ma casquette. Ah, on va pouvoir aller sur des élans. Alors, je suis très curieux de cette puce anti-doigt. Et la porte est enfin ouverte. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté.
Y a-t-il de l'autre côté? 100 balles. Ok. Des quêtes, super. Oh, des coffres. Envoie, envoie. Envoie, qu'est-ce que tu fais? Mais je m'en bats les couilles, toi. Je veux mon coffre. Résistance 1. Ah, mais on est en 2D. Ok. Je veux mon coffre. Merci. Chance accrue. Chance accrue 2. Ok. Pour combien tu joues à Fortnite? Oula! Alors là, tu me verras enlever ma casquette avant de jouer à Fortnite. Ça, c'est clair. Ça, c'est quoi? 200G. Ça, c'est quoi? Attendez. Regarde, il y a quelque chose de gravé sur cette colonne. Trois nombres. Oh putain, tu crois que ce sont des coordonnées? Une quête de plus. Pas moyen de le savoir, j'annote la carte en tout cas. Pour reprendre à bien une quête. Vas-y, toi, t'as une quête aussi? Oh, que faire? Mais comment je vais m'en tirer? Mange pas ça, c'est du poison. Me suis fait le Gaki de 2004. Qu'est-ce qu'il est bon. Ah, Shinzo qui se spoil. Faut pas attendre 2 semaines. Non, t'as bien fait l'ami. Vous venez de la base, pas vrai? Il se trouve que j'ai des paquets à livrer, mais impossible de les sortir du dépôt. Je vous promets, hein, après ça, on regardera un peu plus ce slip en détail. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là pour ça. Non, mais arrêtez de me donner des quêtes, putain. Même dans The Witcher, il y a moins de quêtes. Vous pensez récupérer les paquets? Vas-y. Merci mille fois. Pourquoi tu marches? Ah, je peux pas contrôler le perso. Ok. Oh, un casse-tête. Oh, ça, je m'y attendais pas. Alors, attendez. On va... Attendez, si je pousse ici... Oh, heureusement on est nombreux. Je les avais déjà tous vus. Ah d'accord. Ça passe là? Allez, pousse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Accélération 1. Okay. Ensuite, est-ce que je peux tirer ou je peux que pousser? Ah, je peux que pousser. Okay. Et donc là, ça sert à rien. Bon, bah ça a pas l'air bien compliqué en tout cas. On va pousser ça au fond. Moi, j'ai vu que l'école et le gymnase. D'accord. Le gymnase, tu parles des 24 heures du chat-perché. Avant, d'accord. C'est vrai que l'école, ça doit être le plus connu, je pense. Un dégât Kino Tsukai. Ah non, pas Fortnite. Oh, t'inquiète pas, Harry. Le jour où on jouera à Fortnite, il y aura une bonne raison. Ou un bon gros chèque-os. D'accord. Bah écoutez, il était pas très compliqué, ce puzzle. Il parle du stream du dimanche matin. Quand on regarde des conneries japonaises. Ça y est, on a trouvé son paquet. Sympa, un petit puzzle comme ça. Sortir et livrer le tout. Continuer à travailler. Bah ouais, sortir. Ah mais putain, faut que je lui parle. Non mais... Vous avez tout récupéré, oh là là, oh là là. Ceux qui jouent à Age of Empires 2, oh là là. Vous m'avez sauvé la vie. On va vraiment remettre un peu d'ordre là-dedans, on peut à peine y bouger. Ok. Je sais, j'en parlerai à ma chef en attendant, voilà de quoi vous dédommager. Ah, amas de ferraille, compétence accrue 2, plus distance esquive 3. Ouh, ça c'est pas mal. Ok. C'est tout. Bon bah c'est tout. Allez, cassos. Zog zog. Ça valait le coup d'aller ici. Hein. Alors. On va se casser vite. Avant qu'il nous donne une autre quête à faire. Oh loulou. Magasin. Est-ce qu'on a du pognon? Pognon. Il est où notre pognon? Je le vois pas. J'ai 48 000. Ah ouais, on a du pognon. Ah attends. On va augmenter notre arme. Amélioration. Acheter, attendez.
Alors, je suis pas fan, hein, ces designs là. Je préfère mes katanas, regardez. Beaucoup plus classe. Ah merde, bobine étirée. Peau de bête. Oh, il faut qu'on aille buter des sangliers. Ok, et ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Plaque tordue, câble coupé. Sinon, on avait assez de thunes, hein. Ok. Reviens me voir, on verra. Calme-toi bien. Et lui, qu'est-ce qu'il vend? Je me souviens plus ce qu'il vend. Des soins, des appâts. Ah, et des puces, ok. Il y avait la puce. Attendez, coin pêche, ouais, bon. Ok, rien d'intéressant. On va aller voir le troisième marchand, le plus intéressant. Il permet d'augmenter notre processeur. Alors, Achia amélioration. Fusionner puce, on peut pas, je crois. Si. Alors, attendez. Rang plus 1, coup plus 1. Génère une onde de choc à l'attaque. Génère une faible onde de choc. Oh, d'accord. Ouh, c'est cool, ça. Allez, on va prendre... Ah, ça coûte du pognon. Distance d'esquive. Le 3. 60% à la distance d'esquive. Oh, c'est pété. Si on met les deux ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça passe à 40. Ça coûte 12. Alors que celle-là coûte 7. Et elle est à 60. Ah ouais, bah carrément. Vitesse de déplacement. Ça passe à 4. Ah, on peut pas... On peut pas foutre les... Ok. Chance. Ah, attends. Celle du doigt, là. On l'a pas ici. Là. Anti-doigt. 2 secondes d'invulnérabilité après avoir subi des dégâts. Oh, mais c'est trop fort. Oh, c'est trop fort. Il faut qu'on se la mette. Améliorer pod. Ok. Il nous faut des champignons, de l'eau pure, du caoutchouc. Bizarre. Ok. Et le pod... marteau tourne très vite autour du joueur, inflige des dégâts aux ennemis touchés. Protection. On va prendre du stockage. Stockage, c'est la vie. On va prendre plus 8 et plus 16. Ouh, et on claque tout notre pognon. Ah, n'hésitez pas à revenir. Voilà, ta gueule. Merci. Alors, les puces. Ah, pour ceux qui découvrent le jeu, vous voyez, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, toutes les puces. On a de la place maintenant, on va pouvoir se mettre. Augmente. Ah, c'est pas mal. Les trucs niveau 3 là. Distance d'esquive, ça c'est pas mal. Et l'anti-doigt. Alors, on va s'enlever. Attendez, on va déjà faire en mode. On va le faire en mode automatique. Automatique. Favoriser l'équilibre, l'attaque. Attendez. L'équilibre. J'ai un peu plus de points de vie, un peu moins d'attaque. On va prendre l'équilibre. Équilibre. Comme ça, on va pouvoir voir un peu tout ce qu'ils nous ont mis. Alors, ça, c'est les trucs classiques. Voilà. Attaque arme 3, ça, c'est pas mal. Lacération. Ah non, bah non. Pourquoi il m'a mis les deux? Ça se cumule? L'onde de choc et une onde de choc. Écoutez, peut-être ça se cumule. Je sais pas ce que c'est les losanges à côté des puces. Ah, il m'a mis l'anti-doigt. Et ça, l'anti-doigt, c'est bien. Putain, 2 secondes d'invulnérabilité, c'est ouf quand même. Moins 30% subi aux dégâts approchés. Ah, mais attendez, il m'a pas mis ça? Ça coûte 24. Attendez, on va enlever ça. PV max. Combien j'ai d'espace là? Ah ouais, non, ça rentre carrément pas en fait. Distance d'esquive. On va le mettre. Nous, on aime bien l'esquive. Hein. Vitesse de déplacement. C'est dommage, c'est qu'il... Ah si, stock utilisé. Il nous reste 7. Il nous reste 7. Est-ce qu'on a un truc à 7? Il y a 7, 6 ou 7. Là, moins 10% aux dégâts subis, attaque distance. C'est pas ouf, hein. Ah, mais c'est déjà équipé, je suis con. 6. PV max. On peut se rajouter des PV max, au pire. Test déplacement.
On va se rajouter PV max. Voilà. Hop. Allez, on se corse. Petit coup sur le slip, hein, c'est pour vous. Oh yeah. Alors. Ensuite. Carte. Donc là, c'est les tampons. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah, les photos. Destination actuelle. Ça doit être une photo, ça aussi. Ah non, disparition. Qu'est-ce que c'est ça? On sait pas ce que c'est. Allez, on va y aller. On va se transférer dans désert champ de pétrole. Ok. Ça, tous ceux qui ont jamais vu le désert le verront. C'est parti. Désert champ de pétrole. Let's go. Ah, je savais que j'allais vous faire plaisir. Putain, Shinzo, encore merci hein, pour le sub. Ça fait plaisir. Pas de soucis, ah, tu régales, tu régales. Et mec, j'en peux plus. J'en peux plus, là, j'ai trop envie de mater Sasuke. Oh yeah! Allez, let's go. Allez, c'est pour vous. Regardez-moi ce beau désert. Magnifique, n'est-ce pas? Livre abîmé, ok. Et un masque antique, ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trois points d'interrogation? Est-ce qu'on va casser des bouches? Autre question. Et des sushis. C'est une joue qui régale. Ah. Petit sushi, c'est vrai que ça passerait bien. Ça fait longtemps que je m'en suis pas fait. Peut-être y aller tout à l'heure, tiens. Alors, que se passe-t-il? Oula, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est un pod? On va avoir un deuxième pod? ポッド。ポッドね。持続。所有者が何らかの理由でセーフモード状態で投機。どんな事情で捨てたんだろう。再起動して使えるようだったら私を管理者に上書きできるか試してみて。Je Nouveau pod. Donc lui il fait quoi? Lui il fait laser. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah ouais! Il tire des missiles au calme. Oh! Mitrailleuse. Ah oui c'est marqué. Mitrailleuse. Missile. Oh! Allez, vous voyez, on a bien fait de venir ici hein. C'est bête, je mange pas de chouci. Bah, ça te reviendra moins cher. Bon, bah, écoutez. Et si tous les points d'interrogation, c'est des pods, on va se les faire. Hein. Résistance. Photographie. Là, c'est la mission principale. C'est où? Ah non. Photographie. Oh, c'est loin. On va peut-être pas y aller. Hein. Tout de suite. C'est tout? Oh, merde. Je crois qu'il y en avait trois des coordonnées. Bref. Bref, allons à la photo et après à la mission principale. Histoire que l'histoire avance un petit peu quand même. Et du coup, attendez, il faut aller. Le plus proche, c'est... Désert camp. Non. Direct le plus proche, c'est lui. Cité en ruine, tour. Ok. Cité en ruine, tour. Hein. Rappelez-vous. Let's go. Oh yeah. Oh putain, ça fait du bien d'avoir débloqué ces téléporteurs. Sushi à quoi, Harry? Dis-moi. Moi, je suis un grand friand de thon. Thon au moyen. Attendez, mais je vais où, là? Attendez, je vais où?
C'est au téléporteur que je voulais aller, moi. Mongoloman! Et hop, hop, ok. Ah, remarque, on va peut-être plus vite en slidant comme ça. Casser la gueule! Oh, il a rien compris, le pauvre. Moi, le thon, c'est ma phobie culinaire. Ah, c'est vrai? Ah, ça, je comprends tout à fait. Moi, ma phobie culinaire, c'est le poulpe. La pieuvre. Ça, je peux pas. Ah, mais attendez. C'est pas elle a... Oh, ça ressemble vachement à la photo qu'elle m'a montrée. Hein. Alors, transfert, on avait dit. Si t'as en ruine, tour, hein, il me semble. Hein. Poisson rouge, man, j'oublie tout. Je sais pas trop, je te laisse choisir. Je suis pas difficile, j'adore ça. D'accord. Eh bah écoute, je vais te sortir la spécialité. Y'a que deux choses que j'aime pas en bouffe. Ah bah vas-y, dis. Je suis sûr que je peux en trouver plus. Ah bah tu vas manger des petits poulpes vivants en sushi. Ça devrait être pas mal, des bébés poulpes. Oh, quand ma femme elle mange ça, je t'ai dit... Je lui dis, hein, je lui dis t'es prête, hein. Embrasse-moi une fois parce que tu vas pas m'embrasser pendant deux semaines. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut? C'est tout? Ah voilà, c'est là le centre commercial désaffecté. Alors. Ah, c'est stylé, je me demande si on peut aller en bas, tiens. Non, je pense pas. Alors, que c'est pas style. Les quenelles et le fenouil. Alors, fenouil, je suis totalement d'accord. Putain, les quenelles, c'est trop bon. Ah oui, il faut qu'on teste les missiles. Ouais. Oh non, les quenelles, c'est trop bon. Comment tu peux pas aimer? Que t'aimes pas la sauce avec? Ok, change la sauce. Mais les quenelles en eux-mêmes. Pascal nous dit que c'était une industrie de l'industrie. Ouais. Selon les chroniques, c'était un lieu de dépôt. On va monter. Ah, attends, c'est quoi ça? Allez, fermez la porte. C'est fermé. Ok. Il faut qu'on passe par le centre commercial, il nous avait dit, il me semble. Pourquoi tu me mets là-bas, toi? On est ici. Là. Comment on y va dans ce truc? Et où c'est en haut? Faut tomber dans le trou là? Non? Ah non, je peux pas, j'en ai. D'accord. Bah écoute. C'est bizarre, mais ok. Ah, c'est là, mais c'est fermé. Ah! J'ai entendu un bruit! Bokra, mon ingen d'attara. Konna baso de tanoshiku kaimono stay tan des kane. Forme de vie mécanique détectée au-dessus de nous. Il y a une fleur ici aussi. Baston! Quand tu veux les missiles. Ah, attendez. C'est pas ouf les dégâts, je suis un peu déçu. Hein. Tu vas voir celui-là? Ah ouais, ça fait carrément plus de dégâts. Esquive. Oh putain. C'est la guerre. Non, quoi,
Il s'enfuit. Ah. Grenade. Ah, je crois qu'il a fait un trou. Oh non, arrêtez les mecs, les quenelles, c'est trop bon. Putain. En plus, je suis lyonnais, je suis obligé d'aimer ça, quoi. Bon, et eh ben, je suis déçu. Le pot de missile, il faut l'augmenter. Hein. Il fait pas beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on peut monter là? Oh, qu'est-ce qu'il y a en haut? Sûrement un petit trésor. Oh yeah. Ah pas, ok, c'est un peu de la merde. Par contre, une bonne choucroute. Ah bah on est d'accord. Ah non, moi les quenelles. Moi je soutiens mes quenelles. Hein. Moi j'adore ça. Au brochet, au fromage, tout ce que tu veux. Ah bah oui, là c'est plus simple de passer. Oui. Alors. J'adore, elle court en talons, ça me rappelle Ion et mes persos sexy. Ion, je connais pas. Je crois que ça me dit quelque chose, mais oui, oui. C'est dans le désert, courir dans le sable en talons, tranquille. Alors. Ah oui, la photographie. Oula. Forêt. Des sensations. Bien. Ah, c'est un RPG. Oh merde, baston. Oh là. Attendez, passons sur les missiles pour voir. Oula, 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 oula. Calmez-vous. Nous venons en paix. Ou pas. Oh merde, 400 de dégâts. Ils font du dégât les salauds. Hein. Par contre, si c'est au niveau 23, ça me fait peur quoi. Est-ce que j'aurais dû farmer avant de venir ici? Écoutez, pour l'instant, on se les fait. J'ai joué à la bêta, l'édition collector, le free to play a tué. Ah. Ah bah généralement le free to play. Petit chat dans la gorge là. Moi, le seul MMO que j'ai joué de ma vie, c'était Lineage 2. Qu'est-ce que j'ai pu geeker sur ce truc? Petite musique sympa. Alors. Il nous faut des pots de bêtes, hein, donc si on trouve des... Parfait. Parfait. Un bon sanglier. Oh! Salaud! Il est niveau 11 et il m'a défoncé. What? Oh, mais ils sont violents! Allez, donne-moi une peau de bête.
Peau de bête, nice. Viande de sanglier. Ah, c'est cool. Ok, il nous en faut 3 ou 4, je crois. Hein. Oh, une puce. PV max, ok. J'ai toujours mon perso, j'y joue. Ah, ok. On va sauvegarder. Personne a testé Lineage 2 du coup? J'ai joué que à WoW, ayant Lineage 2 avec de beaux graphismes. Ouais, c'était assez joli ouais, dans mes souvenirs. WoW, j'ai jamais joué. Mais bon, je me suis rendu compte que les MMO, c'était pas pour moi. Et les RPG en général, c'est pas trop pour moi. Oh merde, il est niveau 17 celui-là. Il va nous défoncer. On va se soigner un peu quand même. On se tape contre des sangliers. Trop bien ce jeu. Allez, die. Merci. Alors, peau de bête. Ok, donc à chaque fois on aurait une peau de bête, ça c'est cool. J'ai bien aimé Pex. Wow. Ah oui, Shizo, oui, je sais, tu m'avais dit, ouais. Tu joues à WoW, toi. Alors. Ah oui, la photo. C'est ici la photo. Je crois qu'il m'en fallait juste 3 des pots de bête, donc on va pas non plus défoncer tous les sangliers. Oh merde, il y a... Attendez, je m'occupe du sanglier, j'arrive. J'entends ma terre. Oh. Ça y est. Ah la file. Oh non, il m'a pas donné peau de bête. Enfoiré. Oh Dark, comment est-ce? Ah, moi ça va nickel chrome. Ce qui m'a fait arrêter, c'est que des gamins qui jouaient mieux que moi me faisaient la morale. Ça prenait trop de temps. Ouais. Ils sont où? Ah, ils sont là. Ce qui m'a fait arrêter. Oula, attendez. Mais attendez, j'étais en pleine cinématique. Bande d'enfoirés. Attendez, on va passer sur les missiles là. Ça m'a l'air mieux. Ah, voilà, il y a des dégâts de zone. J'ai esquivé, monsieur. Oh putain, les lances en mêlent. Oh putain, l'élan aussi. Et merde. Oh, si c'est l'élan qui nous tue, je suis deg. Niveau 16. Bon, ça va, les missiles sur des gros groupes, ça le fait en fait. Allez. C'est bon, on a réussi. Ouh. Tranquille, bon bah très bien. Une puce, qu'est-ce qu'on a? Soin mortel. Oh, soin mortel. Qu'est-ce que c'est que ça? Soin mortel. Personnalité. Toutes les puces. Soin mortel, soin mortel. Soin mortel. Rend 10 PV, rend 10% des PV quand un ennemi est vaincu. Oh ouais. Oh ouais, 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 ouais. Par contre, qu'est-ce qu'on enlève? Il nous reste 2 emplacements, ça coûte 11. Ah, il nous faut autre chose. Je vais y aller par contre, désolé, j'ai une dure journée, je suis fatigué, je vais me coucher, des bisous. Et à demain matin, il n'y a pas de soucis, Harry. Il n'y a pas de soucis. Passe une bonne nuit. Repose-toi bien parce que ça, ce qu'est demain, il va falloir être en forme. Hein. Des bisous. Qu'est-ce qu'on pourra enlever? Il coûte 11, donc il faut qu'on enlève 9. Il faut qu'on enlève 9. Évidemment, il n'y a aucun truc à 9, sinon c'est trop facile. On va enlever lacération à 4 et PV max.
Tant pis. On enlève PV max et lacération. Attends, regagner de la vie quand on tue un ennemi, c'est trop fort. C'est trop trop fort. Il était où? Soit mortel. Ah, ça passe pas. Putain, il faut réorganiser tout le bazar. Bon, bah on va tous se les faire un par un. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh merde, il m'a enlevé le truc. Oh oui. Lacération, voilà, c'est ça qu'il me faut. Ah non, ça c'est pas le bon. Oh, c'est le bordel. C'est le bordel. Voilà, soin mortel, on va le mettre tout de suite. Et il nous reste 7. Non, on va pas prendre la défense. Qu'est-ce qu'on a à 7? Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. PV max. Au pire, on se remet du PV max. Hein. C'est 8. 10%. 5%. Hein? Ah, c'est avec le losange. Ça veut dire qu'il coûte moins que ce sans le losange, peut-être? Alors, bah, du coup, on va se mettre PV max. Écoutez, il nous reste 2. Je crois qu'on a rien à 2. Hein. Ouais, 10, 6. Ouais, on a rien à 2. On a rien du tout à 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais me caler ici. Oh, une autre puce. Eh merde. Défense physique 2. Bon. Je vais me caler ici. Regardez. Comme ça, vous avez une magnifique vue. Voilà. Et je vais faire un tour de toilette parce que j'en peux plus. Excusez-moi. Je reviens dans 2 secondes. Hop, désolé pour le dérangement. Peut-être que vous en avez fait de même. Ah, j'aurais pu vous laisser sur une meilleure vue, remarque. Comme ça, regardez. On a tout, là on a tout. On a la cascade d'eau, on a la nature, l'élan. Et on a la nature. Bref. Alors, est-ce que les élans nous donnent des pots de bêtes? Voyons voir tout de suite. Non. Attends. Voilà. Enfin, attention parce qu'eux ils font mal. Hein. Je dis il faut faire attention, je me fais bolosser. Non mais arrêtez, je vais crever là. Pourquoi il s'est ramené lui?
Putain, il y a le sanglier qui se ramène aussi. On est pas dans la merde. Oh si, non, en fait, ça fait carrément plus de dégâts les missiles. Hein. Par contre, ça devient illisible. Ah mais non, par contre les missiles il attaque tout ce qui bouge. Il attaque tout ce qui bouge. Je viens de voir qu'il a lancé des missiles là-bas. Voilà, concentre-toi sur lui. Merci. Ouh. Voilà, allez c'est bon. Bon, il y a bien une peau de bête qui traîne là. Peau de bête, voilà, nickel. Nickel. On va se prendre un soin moyen. Oh, péché. Ah, péché, on n'y arrive pas. Hein. On sait pas comment faire. Regardez, on va essayer encore une fois. Hop, on lance la pas. On va le voir bouger à un moment. Voilà. Oh merde. Alors ça, attends, c'était la première fois qu'il allait aussi profond. Attendez. Va falloir être réactif. Karate Kid. Enculé ! Ah, la feinte ! Il m'a fait une petite feinte, l'enculé. Oh, oh, Sly ! Comment ça va? Protégeons la nature. Ah ouais, t'arrives pas au bon moment. Hein. Attendez, on pêche pour la première fois. Donc faut attendre qu'il aille sous l'eau en fait. Et là, là. Oh, c'est notre premier poisson. Carpe koi. Carcoque, c'est complètement con, koi, ça veut dire carpe. Bref. Oh, ça va super, ça va super, ça va super. Je viens de pêcher un poisson et Grim est refait, enfin. Après 8 heures de jeu, on a compris comment la pêche marche. Ah non, mais attendez, attendez, le jeu vient de changer, là. Le jeu vient de complètement de changer. Si on m'avait dit que c'était un simulateur de pêche et de chasse... Attendez. Attendez. Oh, elle s'assoit sur un truc invisible. Attendez. Bon, moi, je pressens ici, vous voyez. Entre la frontière, entre l'ombre et le soleil. Vas-y. Ah merde, mauvais bouton, mauvais bouton. On recommence. Juste là, là. Juste là, vas-y, je le sens bien. Oh, dommage. Vas-y. Ramène-moi un requin. Foiré. Tu es rapide, mais je t'aurais... J'espère que vous appréciez le contenu. Non, non, non. Il me fait des petites feintes, hein, je le vois. Hein. Vous avez vu? Il me fait des petites feintes. Encore une carpe koi. Mais c'est un robot en plus. Machine. Ah ouais, machine. Regarde, entre ces deux vagues légères, il y a un requin y est. Bon, bah faudra trouver un meilleur coin de pêche que ça. Hein. Si c'est pour choper que des carpes robots, ça sert à rien. Alors, pourquoi on était venu là, nous? Pourquoi on était venu là? On va aller se faire les 3 points là. Et. Ah, il faut aller là-bas. Ok. D'abord, faisons-nous le petit rond rouge là. Il était où? Il y a trop de ronds! Pardon. Ah non, il est loin en fait. Je crois qu'il était à côté ici. Ah mais il bouge. Ah il est... Oh putain, il est... Ok, il est au fond du gouffre. Ah non, c'est trop loin. C'est trop loin, papy. On va aller là-bas. On va là-bas. Voilà. Non, non, on va laisser les élans tranquilles.
Qu'est-ce qu'on fait? Il faut monter ou pas? Il faut descendre ou pas? Oula, mais il y a du monde ici. Bonjour. Quoi? J'ai rien fait. C'est pas moi, c'est un malentendu. Vous ne comprenez rien à ce qui se passe, je ne comprends rien non plus. Oula, oula! Oula, le sanglier s'y mêle aussi! Eh merde! Vous voyez, c'est eux qui m'attaquent! C'est pas moi! Ah mais attends, le sanglier il est en train de se taper avec l'autre en fait. Oh ouais, vas-y. Ok. Et ça c'est le patron. Ok. C'est pas des poissons ça. Ouais voilà. Des carpes robotiques, c'est pas des poissons. On est d'accord. Donc, en fait, on n'a pas encore pêcher notre premier poisson, vraiment. Allez, le boss est mort. Une clé cassée, ok. Des puces. J'ai entendu galoper là. Calme-toi, sanglier man. On a un antidoigt, on a un autre antidoigt. Ah, j'ai pas fait gaffe notre vie quand on tue un ennemi. Calme-toi, sanglier. Je te veux que du bien, moi. Sois mortel. Oh, on en a deux. Oh, si ça se cumule, ça va être trop fort. Œuf d'aigle. Ok. Ça va? Bon, ça va, il est friendly. Alors. Sly, on ira sur DBD après, hein, si c'est DBD qui t'intéresse. Si jamais tu veux voir le pouvoir du slip. Oui. Oula. C'est la cascade d'eau qu'on entend. Ton pote. Eh ouais, les sangliers sont mes amis. Ouh. On dirait du Oh, j'avais pas vu ça. Oh, stylé. On dirait du Shadow of Colossus un peu. Mixé avec du Last Guardian. Alors attendez. Oh, un petit coffre. Météorite. Ok. Comment je suis censé aller de l'autre côté, moi? Le pont. Non, t'inquiète, après je vais dormir, je suis claqué de haut. Je passe juste à... Ah, tu fais plaisir, Sly. Si tu te réveilles tôt demain à partir de 9h, tous les dimanches, on regarde. Oh putain, ils sont de retour. On regarde des conneries japonaises. Voilà, quand ils sont en formation comme ça, faut mieux passer sur le lance-missile. Ouais, ça fait carrément le taf. Allez, ça dégage. Ok. Ok, c'est bon. On s'est même pas fait toucher. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous donne, lui ? Plaque tordue. Oh, il me semblait que j'avais besoin d'une plaque tordue pour augmenter mon arme, non ? Il me semble. Soin mortel, putain, encore un soin mortel. Ok. Ah, c'est pour s'entraîner. Petit scarabée. Alors, le pont.
Attendez. N'oubliez pas qu'il faut qu'on pêche aussi. Hein. Oh, le coffre. Soin léger. Vous pensez que tous les poissons sont en boutique? Il doit y avoir des vrais poissons quand même. Alors. Oh, on se rapproche. Attendez, il y a un coffre là-bas. Poisson de type acier, ouais. C'est les Pokémon. Mais voilà, tous ceux qui disent carpe koi, laissez-moi vous dire que koi veut dire carpe en japonais. Donc carcom, c'est comme dire direct live. Oh, bande d'enfoirous. Ok, ça c'est fait. Ils sont niveau 23 ceux-là. Ah merde, ils ont des boucliers. Voilà, toi t'as plus de bouclier. Fou. Il a failli m'embrocher. C'est bon. Regardez ça, il s'enfuit en courant. Oula! J'aurais dû esquiver ça, moi. Ok, lui il est dead. Allez, il nous en reste un. Faut lui niquer son bouclier. Ah, il est pas mort, lui. Voilà. Oh, ce qui m'a mis. Très bien. Oh, du sperme de fiche. Oh non. Tu sais que Tricot, il vient tous les jours sur ce stream pour me le rappeler. Je vous ai dit, hein, quand je ferai le marathon Dead by Daylight, je vous ai dit, hein, à 100 subs, je vous fais une dégustation IRL de sperme de fiche. Et il y a eu un bug de connexion. Je t'ai envoyé un message sur Twitter. Après, j'y vais, je me demandais si tu avais pu... revenir. Oh, j'ai pas vu, attends. Sérieux? Ouais, bah ouais, sérieux. Ah, il faut bien mettre des paliers, quoi. Sinon, à quoi ça sert un marathon? Si c'est pour regarder pendant 24 heures un mec qui fait de la merde. Bon, remarque, ça m'étonnera pas, mais... Il faut bien mettre des paliers pour rendre ça intéressant. Ah. Le palier ultime, ce sera à 100 subs, je bouffe du sperme de fiche. il y aura des paliers moins violents que celui-là, hein. Mais c'est parce que j'ai pas vraiment envie de bouffer du sperme de fiche, vous voyez. Donc pour ça, je le mets à 100 subs. Le live va couper, ou alors ça vient de chez toi. Ça vient de chez toi. Ah oui. Ma connexion est ultra stable. Et ça me le met si jamais je coupe. Et là, je suis à 0. Donc ça veut dire que je n'ai pas coupé du tout. Ah bah ouais. En même temps, qui a envie de... Eh, tiens, si on goûtait du sperme de fiche. Alors, attendez. Ça sent un peu le boss, là. Hein. Ou alors, c'est parce que j'ai trop joué à Dark Souls. Mais... Là, c'est stylé. Ah, cinématique. Oula. Oh, putain. Ok, c'est pas un boss, mais c'est... C'est de la baston. Let's go. Niveau 25, oh le gros balèze. Oh, putain, il est électrifié en plus. Comment je suis censé? Oh l'enculé. On va se faire les petits en premier. Attention, langue de choc. Voilà.
Attendez, hein, je lirai vos messages après. Votre avis m'intéresse. Ok, les deux sont dead. Oh, remarque. Ça va peut-être prendre... Oh, sa jambe, elle est plus électrique. Non, il faut qu'on nique sa jambe électrifiée d'abord. Nani! Ah non, c'est tout son corps qui est électrifié maintenant. J'ai cru que j'avais sauté trop tôt. Ah si, les missiles, ça fait le taf en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Wow. Bing. Bonne soirée Harry, merci encore d'être passé. Impossible de revenir, bon je file. Ah c'est bizarre ça. Hier on a eu Grim qui a eu un bug, il pouvait pas, soit mortel encore. Il pouvait pas écrire sur le chat. Je sais pas. Et Twitch qui a bugué aussi. Hier j'ai coupé le live, alors que pour Twitch le live continuait. Du coup j'ai une vieille, un vieux replay de 14h. Ou 15h alors que j'ai streamé 4h. Légidia, bien le bonsoir, madame Légi. Bien le bonsoir. Toi aussi, tu veux voir du slip? Allez hop. Voilà, c'est fait. Tu peux repartir. Bonne nuit. Alors, le château. Ah, mais on peut pas passer là. Commencez à pêcher. Oh ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, 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 là il y a du gros poisson là. Oh, Grim. Grim il est chaud là. Attendez. Commençons à pêcher. Par contre, vous avez vos jumelles? Attendez. Ça y est, j'ai les yeux commencé à pleurer déjà. Ça y est. Oh, il a pêché un truc. Il a pêché un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Billy? Attendez. Serait-ce un vrai poisson? Putain de pêche. Poisson en rivière. C'est notre premier poisson. Parce qu'on a chopé des carques, des carpes koi, des koi robotiques. Mais c'est notre premier poisson. Vrai poisson. Vous avez vu comme il est beau? On n'arrive même pas à le voir. Quel accueil chagueux. Ah bah t'inquiète, hein, nous c'est tout dans l'accueil. Hein. La first impression c'est la plus importante. Ça va nickel. Hein. Oh, j'espère que Grim t'es content. Hein. Un très beau poisson. Moi je vois du requin baleine d'eau douce dans ces... Oh putain. Non mais attendez, on va recommencer. Vous avez vu la... Il peut pas avoir que des petits poissons péraves comme ça, c'est pas possible. Attendez. Regardez-moi vers le courant là. Il faut de la force. Oh putain. Oh, j'ai tapé le mur. Attendez. Tu veux. Bon, il veut pas. J'ai peur de lire le chat parce que si je tourne la tête, qui passe. Oh oui! Catch. Oh merde! C'est encore la même merde, non? Eh ouais! Ah putain! Ok. Bon, et eh ben il y a peut-être que ces poissons alors dans cette rivière. En tout cas, ça me dit pas comment aller. Ah si, il faut passer sur le côté, ok. Putain, butin de pêche. Bref. En fait, les koi c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Mais c'est pas des vrais poissons, malheureusement. On les a défoncés. Ah, on a débloqué ça, on va pouvoir sauvegarder. Nickel.
Et quand il c'était mieux, ouais. Alors. Putain, la taille du truc. C'est pas un petit trésor caché là? Œuf d'aigle. On sait pas à quoi ça sert les œufs d'aigle encore. Non? Ok. Regardez-moi, c'est beau. La nature reprend ses droits. Je t'ai vu. Moi, je maintiens quand même que ça sent le bon gros boss hein, dans ce château. Oh, un coffre. Ah, on peut pas les ouvrir, ceux-là. On sait pas pourquoi. Il y a un truc dessus. Merde. Allez, go. Ah, il y a un truc là. Oula, on passe en... Ok, on passe en vue 2D. Je peux plus contrôler la caméra du coup. On est en 2D maintenant. En mode Castlevania. Ça c'est cool, moi j'adore les changements de caméra comme ça, je kiffe. Ah, il se bat tout seul sans moi, c'est ça? Ouais. Oh bah il l'a défoncé. Il l'a défoncé. Il y a un coffre en dessous. Est-ce qu'on peut descendre? On peut pas descendre. Ceux qui veulent des BD, ne vous inquiétez pas, on passera sur des BD après. Ceux qui veulent de la pêche, vous inquiétez pas, on repêchera. Et tout seul qui veut du slip, vous inquiétez pas. C'est le coffre que je veux. Merci, moins léger. Et du coup, le coffre. Salaud! Ah, je peux lui sauter par-dessus, ok. Oh, on lui fait masse de dégâts. Nice. Attendez, on est venu dans le château juste pour un vieux coffre? Non, j'ai loupé un truc. Il y a une porte là. Non? Ah, il faut monter, je suis con. Il faut monter. C'est ça. On pêche sur des BD en slip, exactement. Ok, il y a des mecs en haut. Est-ce qu'on peut aller en face? Yes. Ici, il n'y a rien. Mais j'ai envie de tout fouiller, moi, maintenant. Voilà, Damate. Damate qui veut dire ferme ta gueule en japonais. Hein. Je rigole pas. Hein. Ok. On va se faire tout l'étage du bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était un dinosaure au début. Merde, ils sont tous ramenés, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça va, eux c'est un peu des sbires. On va déjà passer niveau 18. Ah, on les voit qui se ramènent. Faudrait que je me serve de ma carte plus souvent. Ok. Alors attendez, on va visiter en haut. Là, il y a des escaliers. Ah non, okay, c'est un arbre. Là, on est bloqué. Cette pièce appartient à une forme de vie mécanique. Okay. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est bizarre qu'il y ait un coffre qu'on... Il n'y a rien dedans. Enfin, intéressant. Ok, on peut pas passer là.
il est dead. Faut toujours pas passer. J'ai loupé un escalier? Non. Eh non, voilà. Là, il y a les mecs qui gardent le coffre. Avec mon double saut, ça passe pas là. Yes. Non, ça passe pas. Du coup, je vois pas comment on peut monter. Tant pis. Les combats sont un peu plus sympas en 2D, je trouve. Surtout quand lui, il fait le taf à notre place, en plus. Alors. Oh merde! Ils arrivent des deux côtés, maintenant. J'ai esquivé, monsieur. Deux fois. En bourrinant, ça passe. Ok. Ils nous suivent. Ah, il en reste un derrière nous. Okay. Alors, une bibliothèque. Ah, ça y est. Ah non, on est toujours en 2D. Je croyais qu'on allait repasser en 3D. Attends. Pyrite. Ok. Oula. C'est stylé, t'as envie de jouer comme ça tout le long, quoi. Non mais, vraiment. Hey, tu crois qu'on t'a pas vu? Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Oula. Okay. Reste autour de ton arbre, voilà. Putain. Ok. Philippe. Il y a un truc là-haut. Oh, il a rien compris à la vie, lui. Est-ce qu'il y en a qui ont fait le jeu d'ailleurs sur le chat? Je vous ai pas demandé. Une échelle. Nope. Ça a l'air d'être un putain de labyrinthe. Ok. Bon, je vais te laisser, je vais dormir comme une merde. Y'a pas de soucis, Sly. Oh merde, j'avais pas vu le trou. Passe une bonne soirée, l'ami. Et peut-être à demain matin si t'es motivé. Sinon, passe une bonne soirée, une bonne nuit. Nope. Ok. Je peux pas atteindre l'échelle. Non. Et non, je connais pas du tout le jeu, d'accord. Attendez, on est bloqué. Là, en sautant, ça passe. Ah oui, tout simplement. Pas un petit secret là? On ne me la fait pas. Ouh, yeah!
Peut-être qu'il faut finir le jeu une première fois et on peut jouer un autre perso et qu'on peut ouvrir ce coffre du coup. Il y a pas mal de jeux qui font ça. Pas de soucis, j'essaierai de passer, j'essaierai à me lever. Il y a pas de soucis, mec. De 9h à 9h à midi, 9h à 1h du mat généralement. À 1h de l'après-midi. On se met bien. Bon. Alors. Ok. Tout va se jouer dans l'esquive. Ok. On a vu un coffre en dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il faut pousser. Merde, c'est dans le mauvais sens. Ah, je suis baisé. Oh non, pas tout recommencer, dis-moi que je peux le tirer. Ok, cool. Et l'autre il nous regarde, hein. Je sais pas si vous le voyez, c'est assez petit. Mais l'autre il en a rien à foutre. Attendez, ça se trouve on peut passer là. Ah. Un forgeron. Alors ça je m'y attendais pas, un forgeron. Aiguiser tes armes. Oh ouais, wow, waouh waouh waouh. On peut passer niveau 3 et on passe de 270 de dégâts à 420. Oh. Les femmes en slip au pouvoir, mais carrément. Ah mais carrément. Alors hein. Ah ça c'est cool. Peau de bête. Ah une oh, encore une peau de bête. Vous savez ce que ça veut dire. OK, on va passer niveau 3. Et après, il nous faut encore une peau de bête. D'ailleurs, je vous rappelle le titre de ce stream. Attendez. Ce sabre est celui de mon maître aiguisé autrefois. Oh, il va nous donner une arme. Sans pouvoir l'utiliser correctement, ils sont scellés à divers endroits. Ah, ok. Il va nous donner des caches d'armes. Ok. Attendez, je vous rappelle. Hein, on doit choisir entre ruban rose ou ruban bleu. On voit pas bien, attendez, je retourne là. En 3D, c'est mieux. Ruban bleu. Oh bah tiens, on peut voir le slip et le ruban là. Ou alors ruban rose. Moi, je vous avoue que je suis un peu comme Shinzo, je suis plutôt la team ruban rose. Hein. Il est où? Ruban rose. Plus gros sur la tête, je trouve ça plus kawaii. Voyez. Voilà. Donnez-moi votre avis dans le chat, ça m'intéresse. Putain, on aurait pu passer complètement à côté du forgeron. Hein. Wow, on fait du dégât là. Hein. Ça finit le personnage quoi. Un petit peu. Alors. Ah ouais, on fait du dégât là. Oh merde, je l'avais pas vu. Vous voyez comment on nettoie le terrain maintenant? Oh là là. Bon, on se fait défoncer hein, mais on nettoie le terrain. Nice. Mais ils sont combien? C'est infini. Niveau 18. Ah oui, notre vie. Ah oui, vous voyez. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais dès qu'on tue un ennemi, notre vie remonte. Oh, c'est trop fort. On est invincible. Ça, c'est cool. Le rose, c'est du cheat pour toi. Ouais, mais le rose, moi, ça me donne des super pouvoirs, le rose.
Je me sens surpuissant. Alors, soit mortel. Antidoigt. Soit mortel. Antidoigt. Alors. On va se taper contre un gros boss à la fin, là, j'espère. Là. Ça y est. On va s'avancer doucement. Un bébé. Oh, encore plus de slip. Merde, comment ça s'appelle ces culottes? Je m'en rappelle plus. Il y a un nom. Elle a l'air sexy mais mortelle. Oh, vous avez vu la taille de son épée, elle va nous défoncer. Annihilation recommandée. Ah ouais, rien que ça. Moi je bouge pas. Hein. A2. Elle est trop stylée. Elle a déserté, elle a détruit de nombreux androïdes, ok. Regardez, je bouge pas la manette, hein. Elle bouge pas. Moi je me dis sur un malentendu, elle s'endort avant nous. J'ai rien fait, j'ai à peine bougé, calmez-vous. Waouh! Ouais, moi je reste loin là. Elle va courir. On va se faire défoncer, on va se faire défoncer. Putain! Ah, mais attendez, j'ai rien le temps de faire. Je comprends pas ce qui se passe à l'écran là. Ah ouais. J'ai rien le temps d'esquiver, rien du tout. On va jouer loin, tu sais quoi, vas-y, tape-toi. Comment elle me touche là? Attendez, faut que j'analyse le truc. Voilà, battez-vous. Là, elle saute. Elle va retomber. Ok, là, je comprends. Ok, elle a pas l'air d'avoir de projectiles. Ok. Là, vous voyez, là, elle m'a touché, j'ai pas compris pourquoi. Qu'elle fait du dégât. Attendez. Putain, on va crever. Vite, du soin. L'autre il fait tout le taf en tout cas. Ah, je la vois sur la minimap, t'as raison. En fait, faut la taper deux fois et se barrer quoi. Putain, mais là j'ai pas eu le temps. On est en train de cramer tous les soins. On la tape 2-3 fois, on se casse. Ah, elle lance son épée, ok. Je viens de voir qu'elle lançait son épée à un moment. Putain, ça m'énerve, ça fait le troisième boss qui se barre avant qu'on le bute. Ah mais attendez. Ça va, il me reste un peu de soin, mais ça va être compliqué. Hein. Et le bébé du coup, on s'en fout. Ah, elle l'a pris.
Je me suis dit, il faut que j'ouvre le parachute. Et là, elle a écarté les jambes, je fais oh. Du coup, je me suis pris 600 de dégâts. C'est le pouvoir de diversion. Target A2 no hakai wa shippai shimashita. Soka. Shikashi, 2人 ga bujide yokatta. Are wa hijou ni kiken na kotai da. Ukatsu ni chikayoranai hou ga ii. Shireikan. Dassou tte ittai nani ga? Sono jōhou wa kimitsu jikou ni natte. Secret défense. Ah, super. Sou desu ka. J'aime bien le ruban rose. Pascal no tokoro ni A2 no jōhou o kiki ni ikou. Nani ka shitteru kamoshirenai. Pascal, ici 9S. Oh, bah allez-y, parlez entre vous. Soriori, Kimini Kikitai Koto Garunda. Kikitai Koto? Non, de chou. Tsushin Wadamada. Choksetsu Kikiniku. Wakarimasta. Tekino Shinni ou Seide da Gate ou Akete Okimas. Sotira Kara, Murani Haile Yoni Tehai Shimasne. Ok. Ah ouais, j'ai perdu masse de vie hein, avec cette chute à la con. Alors attendez, il faut aller où du coup? Faut aller voir Pascal où, ça on le sait. Il est où Pascal où? Il est là, armurerie. Ah non. Si, c'est là. Ok. On va aller là. Hein. On va aller choper le téléporteur. Merde. Ça ira plus vite. Alors attendez, il faut qu'on se téléporte auquel? Je ne trompe pas de nom parce que c'est qu'il y en a plein en plus. Village de Pascal, ok. Tout simplement. Transfert. Désert, désert, parc. Village de Pascal, let's go! En tout cas, j'ai rien compris. Ce combat de boss là, ouf, on a fait se faire péter, on s'est fait ouvrir le fion. Hein. J'ai compris à moitié. J'ai compris à moitié ce qui se passait. Alors Pascal, qu'est-ce qu'il nous veut? Joli move là. Transférer les données. Moi, ce qui me fait peur, c'est que déjà elle nous casse le cul maintenant. Ça veut dire qu'on va sûrement se la taper plus tard vers la fin du jeu. Elle va être encore plus forte. Je suis pas serein. D'accord. Arigato. Ok. Allez au camp de la résistance. C'est loin, je crois. Il faut mieux se téléporter. Il est où? C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est une autre quête. Attendez, il est où? Ça c'est la forêt. C'est ici. Ah oui, c'est pas à côté, ouais. On va se téléporter. Camp de la résistance. Petite guitare, sympa. Il y en a qui ont joué à Stranger Things, pas Stranger Things, Death Stranding dans le chat. J'ai vu qu'il venait de sortir sur PC. Je vous avoue que je me tâte. Hein. Il y en a qui disent que c'est du génie, il y en a qui disent que c'est une bouse sans nom. Je sais pas trop. Hein. Pas joué Il y en a plein qui disent que c'est un simulateur de marche. Quoi. Alors, est-ce que je peux lire mes messages? Oui.
Votre prochaine mission consiste à capturer des rebelles Yoha. Non seulement ces unités ont déserté, mais en plus, il a été établi qu'elles ont enfreint la loi. Et la loi, c'est moi! Et notamment volé les ressources de la résistance. Il s'agit d'un ordre direct du commandant, il est interdit de le transférer. D'accord. Et responsable capacité du serveur. Le serveur principal de la base aura bientôt un stockage maximal. Veuillez réorganiser vos répertoires. Ah bon, on s'en fout ça. Non, on s'en fout. オペレーター6オイル2Bさんへ。定期連絡の時間です。こちらトゥービー問題ない。トゥービーさん聞いてください。今日花の画像データを見てたんですけど。花？多分、toujours des discussions Toby ça là。ああ、non、attendez、c'est la fleur。神飾りとかにしたらクールなトゥービーさんによく似合うと思うんですよね。ですよね。まあまあ、そう言わずに Je vous préviens quand je découvre d'autres accessoires. Ah ouais, ah ouais. Est-ce que c'est la fleur qu'on a vue la dernière fois? Membre de la résistance. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ah oui, la photo. Ok. Alors, attendez. スケルノヴェル。あ、トゥービーか。ちょうどいいところに来た。実は我々アンドロイド軍が太平洋に展開している。アナビアダンロセアン。ああ、ça sent la pêche。補給に戻ってくる。我々レジスタンスも補給作戦をアシストする。君たちにもその護衛をお願いしたい。護衛？ああ。海岸沿いにある補給用の Un navire, comme dans Rambo, le dessin animé. Il y a un dessin animé Rambo? Ah, sérieux? Oh bonjour, j'ai un service à vous demander. Dans la forêt, hein, nous devons envoyer quelqu'un établir un campement. Ok. Éliminer les ennemis. Ah, casser des gueules. Alors ça, ça nous intéresse. Ouais, c'est épique. Oh putain, il faut qu'on se le mate ensemble. On va se faire un live spécial react ou... Oh putain. Parler. Ah. Ah ouais, il était pas là lui tout à l'heure. Ce visage, c'est merveilleux, tu as vu? Il est beau mon visage. Ouais. Le plan n'est pas très clair, ouais. Putain, si on peut débloquer une nouvelle map, ce serait trop bien. On peut rien y faire, ah merde. Bah non, en fait, on s'en fout. J'ai rien à demander. Ok, PNG qui sert pas à grand chose. Qu'est-ce qu'on se fait? Putain, y'a tellement de quêtes, les gars. Regardez-moi ça. Y'a trop de quêtes. On va se faire la lettre étrange. Vous savez quoi? On va se faire la lettre étrange. Parce que c'était les 3 points d'interrogation, c'est où on a trouvé le pod la dernière fois. Et peut-être qu'il y a des pods mieux que les deux qu'on a. Les photos, on en a fait une. Ah, les traîtres. Attendez, les traîtres. Le commandant a signé une mission urgente, les unités 1111 ont déserté et sèment le chaos. Ah oui, il faut leur péter le cul. Ah ouais, on va faire ça aussi. Ok. Alors attendez. Pff, regardez-moi tout ce bordel. Qu'est-ce que c'est ça? Développement du camp. Traître. 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 Ah bah ils sont juste à côté de nous. Ça c'est quoi? Destination actuelle. Et c'est quoi la quête actuelle? On sait pas. Écoutez, c'est tout à côté. On va y aller tranquille. On va sauvegarder au cas où on se fasse péter le cul. On va aller acheter des soins un petit peu. Et on va casser des bouches.
Qui c'est qui vend les soins? C'est lui, je crois. Acheter. Attendez, on peut vendre aussi. Le problème, c'est que j'ai peur de vendre des trucs qui peuvent servir. Précieux aux yeux des humains, mais les machines s'en moquent. Vous voyez ça, minerai or? J'ai envie de le vendre, ça coûte ça te rapporte 2500. Mais si t'en as besoin pour faire des armes ou quelque chose, t'es baisé, quoi. Peau de bête, il nous en faut encore une. Clé cassée. Je sais pas. Météorite. Pareil. Attendez. Si je sors du magasin, et je vais dans mon inventaire. Est-ce qu'ils me le disent? Peut être vendu, peut être vendu. En fait, tout peut être vendu, quasiment. C'est quoi ça? Carte à tamponner, ah oui. Peut être vendu, peut être vendu. Ouais, tout peut être vendu, quoi. Attendez, un truc qui nous sert pour améliorer les armes. La peau de bête, tiens. Ça va être marqué peut être vendu aussi, hein. Ah non, c'est pas marqué peut être vendu ici. Ah. Donc la peau de bête, elle est où? Peau de bête. Ah là, donc peau de bête, c'est pas fait pour être vendu. Ok. Comment tu différencies ces cons alors? Voilà. Viande, viande. Bracelet, collier, boucle d'oreille, masque antique. Ouais, je sais pas, c'est chelou, hein. Bref. Achetons des soins, allons casser les bouches. On va se prendre des soins moyens. 89, ça m'a l'air un peu trop. On va en prendre 15. Et ça, on va en prendre 15 aussi. Putain, en tout cas, ils sont pas chers les soins ici, hein. Et 4. Voilà, ça a l'air pas mal. Au niveau des puces, hop. Est-ce que lui peut régler nos puces, je crois. Conseil sur la machinerie. L'amélioration des pods. Ah non, c'est pas ça. Achat, amélioration de puces. Amélioration des pods. Champignons. Ah, on avait trouvé des champignons. Ok, donc il faut aller dans la forêt. Fusionner des puces. Ah ouais, on peut avoir plusieurs d'antidoigts. Fusionne, fusionne. Ou ça veut dire qu'en fusionnant tout, on pourrait passer à... Ah, je sais pas combien de secondes de... Je suis en train de dépenser tout mon pognon, ça sert à rien. On passe à 2 secondes d'invulnérabilité. Ça y est, j'ai plus de pognon. Ouh, et on va pouvoir passer encore plus de 2 secondes. Ah, c'est pas mal. Alors, les puces. Puces. On va se mettre un nouveau type, tiens. Automatique. L'équilibre, je pense, c'est ce qu'il y a de mieux. On va voir par rapport à ce qu'on a. Personnaliser. Puce installée. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis? Il nous a mis attaque 3. Très bien. Lacération. Défense. Antidoigt. On a l'antidoigt, donc on est bon. Est-ce qu'il nous a mis le soin mortel? Non. On va enlever ça et on va mettre le soin mortel à la place. Le objet auto, j'en ai rien à foutre. Chance. Lâcher du butin, on s'en fout, non? On s'en fout. On va se mettre... doigt cumulé, là. 2 secondes. Putain, ça veut dire qu'on peut être... Oh, si je mets tout, on peut être invulnérable pendant 2... Quasiment 5-6 secondes, quoi. Putain. PV max. Attends, mais il est teubé, lui. Ah non. Voilà, soit mortel. Rend 5% des dégâts infligés sous forme de PV, ça c'est fort. Rend 5% des PV quand un ennemi est vaincu. En fait, ça c'est fort sauf contre les boss. 10%, oh. Ah ouais, 10% c'est pas mal aussi. Hein. On va se mettre le 10%. Esquive 3. Ah ouais, esquive
Ah, ça me paraît pas mal. Allez. On va garder celui-là en attendant. Allez, go. Allez, go, go, go. Est-ce qu'on va se faire casser le cul?仕事とはいえ、レジスタンスの皆さんのお手伝いが多いですよね。雑用感があるというか、なんというか。レジスタンスと情報交換するのは重要な任務。それに死なない方がいいに決まってる。そうですね。Attends, oui. Qu'est-ce que c'est ici? Destination actuelle. Ok, ils nous disent pas ce que c'est. Hein. Il y a toujours ce point noir là. Ah, attendez, est-ce qu'on peut monter? Ça se trouve, on peut monter. Ah. Alors. Ça pourquoi? Y a rien. Y a rien du tout. Ils veulent que je monte. Il y a un point sur ma carte. Ouais, je sais pas. Il y a un truc caché. Bon, bah je comprends pas. Écoutez, je sais pas ce qu'ils nous veulent ici. Tant pis. On se casse. Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors. Ah, peau de bête. Attendez. Lui, il est petit. Vous avez vu J'ai des couilles, hein. Je m'attaque au plus petit. Ouh. Allez, donne-moi une peau de bête. Tiens, si, nice. Alors, c'est ici qu'il y a un traître, non? Il y a, attends, il y a un contru, culotte. Je vois pas ce que tu veux dire, Shinzo. Un compteur. Ah, un compteur culotte. À chaque fois qu'on regarde, ça augmente. Ah, il est peut-être en haut. Attendez, on va aller en haut. À chaque fois qu'on voit sa culotte. Oh, mais là, on serait déjà à 3000, hein. Regarde, juste je cours, on la voit, quoi. Attendez, c'est peut-être en haut du building. Ah oui, on serait déjà à 3000. Hein. Vous êtes prêts? Voilà. C'est parti pour 30 minutes de culotte. Oula. Non mais attendez, c'est abusé, là. Vous avez vu la taille de l'échelle? Ça va vous sinon? Le boule. Voilà, allez, faites-vous plaisir. On se demande pourquoi ils ont mis une échelle aussi longue. Hein.
Après, c'est réaliste. Hein. Par contre, si c'est pas en haut, le truc que je dois choper, j'ai la mort. Alors, comment il monte, l'autre? Ah, lui, il saute. Ah, bah attendez, je peux sauter? Ah ouais, ça va mieux. Non, tout ça pour rien. C'était du troll. Ah non. Oh, j'ai eu peur. C'était du troll. Bande d'enfoirés. Bande d'enfoirés. Culotte. J'ai appuyé sur X. Un coffre. Montrais-tu une échelle? Ah, attendez. Non, non, saute. Ah, mais attendez, je peux pas, je veux descendre là. Merci. Merci. Je dois avoir des escaliers, quelque chose. Il me semble qu'il y a des escaliers hier. Yes. L'autre côté. Voilà. Ah oui, ça va plus vite. On va y arriver, on va y arriver. Ah ok. On y est. Alors. Dites-moi que c'est ici. Putain. Je comprends pas ce jeu. Ah. Vous êtes prêts? Baston! Mais attendez! On va passer en mode missile. Niveau 16, on est niveau 18, ça devrait bien se passer. Je dis ça, je me fais bolos. D'accord. Ok, faut pas trop les bourriner en fait. Voilà, au missile. Oh, B! Ça fait quoi, une attaque spéciale? Oh, nice! Ok, donc quand il est en mode Parkinson, il faut se rapprocher de lui. Il est en mode Parkinson, là. Il est où? Oh merde! Ils se sont barrés! Putain, vous cassez les... Pardon. On peut pas juste se taper contre des mecs et en finir? Lui qui se barre à chaque fois? Putain, en plus on gérait bien là. Merde. La carte. Merci. On va aller ici, si on peut. Oh, attendez, c'est où? C'est là-bas. C'est un putain de labyrinthe, cette map. Culotte! J'appuie sur X pourtant. Hein. Mais à chaque fois, elle s'éclate par terre. Alors, il faut prendre le pont, je pense. Ah mais eux ils étaient pas niveau 18 la dernière fois. Ah ça j'aime pas les jeux qui se scale sur ton niveau, je suis pas fan de ça par contre. Moi j'aime bien quand les ennemis le niveau des ennemis ne change pas. Si tu te fais casser le cul, tu reviens plus tard.
Alors. Et lui, on s'en fout. Alors, est-ce que ce sera les mêmes traits? Ou est-ce que ce sera des nouveaux? Où ils sont? En dessous? J'ai pas envie de descendre pour rien, quoi. J'ai pas le choix. Alors. Non. S'il y a un défaut à donner au jeu, je dirais que c'est ça. C'est qu'il faut chercher. Chercher comme un con, quoi. Non, mais attendez, ils sont où? Ils sont tout en haut de ce truc là? Pas monter. Et un brin d'herbe ici qui, qui est bugué. Attends. Ils sont pas dessous, hein, je les ai pas vus. Ou alors c'est un des trois spots et j'ai eu de la chance sur le premier. C'est du quasi introuvable en boule dessin animé. Ah merde. Ah mais attendez, ils sont pas là. Ils sont pas là. Putain. Eh non, ils sont pas là. Un épisode sur YouTube. Écoute, un, c'est déjà pas mal. Bon, bah ils sont pas là. Ici. Je peux pas sauter ici. Non. Ah. Non, je peux pas. Bon bah tant pis. Tant pis. On va trouver autre chose à faire puis on va passer sur des BD ma foi. Hein. Ici. Les traîtres. Voilà, on le débloquera plus tard dans le jeu. Et ça, le jeu ne le dit pas. Passé, hein, vous inquiétez pas. J'avais découvert ça sur un live de Bob Lennon où il pète un câble avec Rambo. Putain, c'est vrai qu'un. Attendez. Un truc sur la carte. C'est vrai qu'un dessin animé Rambo, il y a moyen que ça soit nimp. Hein. Je suis trop court. Putain. Comment je peux monter là? Là, je suis trop court, hein, on est d'accord? Ouais. Là. Là, vous voyez, il y a un point sur ma carte, mais il n'y a rien. Il est dans le bâtiment? Peut-être, attendez, peut-être qu'on peut rentrer dans le bâtiment. Mais non, on peut pas. Par contre, si le jeu devient. Ça devient. Il faut chercher une aiguille dans une botte de foin et tourner en rond pendant 2 heures, ça va vite me saouler par contre. Bon bah écoutez. Si, on peut rentrer dedans. Merde. Tant pis. Alors, on est à côté de ça. Ah, mais c'est encore ce truc à la con. Ah, bah peut-être qu'ils sont en haut du coup maintenant. Pour les affaires s'enfuir. Si c'est pas ça, j'abandonne. Hein. Non, il est mort lui.
Allez, un petit coup de l'échelle. Ah, ils sont là, non? Il y a deux points noirs. C'est ça. C'est ça. Let's go. Ah, ils ont retrouvé leur vie, putain. Vas-y, viens. Ah, si tu viens pas, moi je viens pas. Ah, ils ont l'air un peu plus forts. Hein. Oula, oula, calme-toi, calme-toi. Ouah, comment je fais ça? Ça fait deux fois que je... Oh merde, elle a Parkinson, vite. Et merde. Comment je fais ça? Ah, j'esquive? Non, j'esquive et j'appuie sur rond. Attendez. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Oh, il a Parkinson. Go, go, go. Je sais pas ce qui s'est passé. Je la refais encore. Des fois elle saute alors que je saute pas. Je sais pas, c'est un combo que je connais pas. Oh, il y en a un qui est mort. Xo, ça veut dire putain hein, en japonais. Ah, vous serez ravis de l'apprendre. Vous fait chier. Ou merde. Oh, on lui fait pas mal de dégâts là. Ça valait le coup d'aller chercher Spod. Allez, ça dégage. Yata. Ah. Ah, c'est le patron. L'ancien capitaine. Ouh, c'était que le début. Quand vous entendez X dans une phrase en japonais, généralement ça veut dire que la personne n'est pas contente. Hein. Niveau 20, oula. Ah merde, il avait Parkinson, non? Bon, pour l'instant, on est pas mal. Là, il avait Parkinson encore. Faut que je fasse plus gaffe. Coup en loose dé, voilà, nous on donne des petits coups en loose dé. Il a Parkinson, vite. Ok. C'est abusé, n'empêche qu'il attaque notre pote au lieu de nous, quoi. Ça rend le jeu carrément trop simple. Et là, tu le pousses dans le vide, il meurt. Ce serait cool.
Si vous savez ce qui se passe, expliquez-moi. Allez, ça dégage. Allez. Pouah, 10 000 de pognon, 400 d'XP. Et on a récupéré une nouvelle arme, le lance type 40, ok. Black box signal. OK。どうしてこの人たちはレジスタンスキャンプから物資を盗んだりしたんだろう。そうだ。アネモネさんなら何か知ってるかも。トゥビ。わかった。OK。Ça peut pas avancer plus l'histoire que ça. OK. On a ici. OK. Bon, ça va, c'est à côté. Alors. Ah mais attendez, il faut aller où là? Je suis dessus. Oh putain. Ah merde, je peux pas aller là. Non. Ici. Ah, attendez, on a une vision en 3D. Ok, c'est en dessous. Culotte! Non. Ah, là-dedans. Mais c'est chiant en fait. On va courir sur le côté. Oh, un coffre. On débloque une nouvelle partie du jeu, de la map. J'ai l'impression. On va sauvegarder vite fait. Hop. Bon, bah écoutez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, cinématique. Cité submergée, ok. Oh, salaud. Ah non, mais le missile, il fait clairement le taf. Enfin, il y a juste un ou deux mecs, ça fait clairement le taf. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Oh! Inception. Vous vous rappelez de la fin d'Inception? C'est ça. C'est sympa. Ah ouais! Ça, c'est leur missile. D'accord. Ah ouais, c'est balèze. Ils sont balèzes, leurs missiles, hein. この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって町全体が沈下しつつあるんですよね。はい、セデッド。ナイス。
C'est stylé ça. Alors, je pense qu'on va aller vers les missiles et on va se faire une pause et passer sur DBD. Olé ! Je sais, moi aussi j'ai envie d'y aller. On y va, on y va. Attendez. On va voir cette histoire de missile et puis on va faire du olé après. Impatiente, Lisa. En plus, Jidia, t'étais pas là hier. On a une nouvelle musique. Et, oula, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Bon, bah il se suicide. Suicide-toi. C'est un jeu japonais après tout. Hein. Alors. Et je l'ai pas encore essayé cette nouvelle zik. Je sens qu'elle va bien passer. Attendez, on va retourner sur le lance-missile. C'est passé à 4 heures, il n'y avait plus personne. Oui, c'est parce que hier je devais m'arrêter à 3 heures du mat. Non, 2 heures. Désolé. C'était... je devais aller visiter une école pour ma fille. Comme c'est bientôt la rentrée. Voilà, si tu veux tout savoir. Voilà pourquoi j'étais pas en live. Puissance de feu. Ouh, attendez, puissance de feu, c'est la première fois qu'on a cette puce. Puissance de feu. Puissance de feu. Puissance de feu. Puissance de feu. Putain, évidemment, là. Plus de 4% les attaques à distance. Ah, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Pas de soucis, la famille avant tout, évidemment. Et j'ai voulu faire du DVD après, je n'ai pas pu, malheureusement. Alors. Vous avez vu la taille du missile? Oh! Bonjour! Ok, il a pas l'air trop dangereux. Oula, attendez. Ah si, en fait. Ah ouais, d'accord. Bon, il va crever, hein. Ça y est, il est dead. Ah, lui, il a un bouclier. Ok. Ok. On va se les faire à l'épée. J'en ai marre de tirer comme un con avec mon droïde. Ça y est. C'est un poussin robotique. Oh! Pardon. J'étais en train de lire ton message et je viens de voir ce qu'il y a sur mon écran là. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Niveau 19, ça c'est cool. On va passer au lance-missile. Heureusement qu'on peut détruire les boules avec nos épées. Hein. Allez, ça dégage. On va se le finir à l'épée. Voilà. Il y a un petit côté, je sais pas. Finir à l'épée, je trouve ça mieux. Oh, c'est trop facile, c'est pas fini. Ah. Trop bien. Mais par contre, avant toute chose, faut que je fasse un truc méga important. Vous savez ce que c'est? Il faut que je pêche. Alors. Qu'est-ce qu'on se fait? On va se mettre par là-bas.
Ça m'a l'air pas mal. Oh, je le vois pas. Je le vois pas. Ça y est, là je le vois. Allez, sors-nous un grand requin blanc là. Bon, c'est pas la meilleure des vues, hein, je suis désolé. Comme ça, voilà. Avec le soleil. Voilà. Alors. Petite feinte, petite feinte. Jetez à l'œil, toi. Hein. Fait que des feintes pour l'instant. Peut-être y'a rien. Oh non, s'il y a rien, je suis dégoûté. Vous avez vu toute cette eau? Forcément de la poscaille là-dedans. Attendez. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un macro. Oh merde, c'est un robot aussi. Bon. Oh, le coffre. Ah, le macro, c'est pas mauvais pourtant. Oh, une fleur. Ça, il y aura un truc à faire avec les fleurs. Joli requin blanc, ouais. Bah, attendez, je m'attendais pas à ce qu'il y ait juste un petit macro dans tout ça, quoi. Tricot, comment ça va? Attendez, les fleurs, c'est la troisième qu'on voit. Elles sont bien planquées à chaque fois. Alors attendez, cassage de cul. Ça va très bien, merci. C'est parti. Ah mais mon pod, il marche toujours dans mon... Oh... Non, je préfère le mode laser. Un petit shmup. Ne clignez pas des yeux ou vous allez mourir. Ok, on passe en mode 360. Oh putain, oh putain. Marc, attendez, j'essaye le missile pour voir. C'est lent. Ah, le problème, c'est que c'est vachement lent, en fait. C'est trop lent. Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien ces petites séquences-là en mode old school. Là, j'aurais peut-être dû passer en missile. Là. Oulala, oulala, ça commence à être le bordel. Missile. Ah non, je croyais qu'il y avait une cinématique. Oula, ça part en Star Wars. C'est la guerre des mondes. Ah non, comment il s'appelait le film pourri avec Rihanna là? Battleship, c'était pas Battleship? Qu'est-ce que c'était un navet film? Si, ouais. Je crois que j'ai regardé 20 minutes. Oh, quelle bouse. Oh putain. Ah, oh, mais en fait, à côté de ça, des BD, c'est bisounours, hein. C'est le calme le plat. On va se faire chier sur des BD. Hein. Oh putain. Ah mais on regagne de la vie quand on tue un mec. Donc en fait on est tranquille. T'as bien pire. Et merde. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on a énervé papa. Machine volante Goliath. C'est parti les mecs.
Attends, peut-être les missiles ça fait plus de dégâts. Ah c'est kiff kiff hein. Ouais c'est kiff kiff je pense. Tout est dans l'esquive. Je dis ça, je me prends le plus gros rayon de ma vie quoi. Tout est dans l'esquive. Ok il est là. Bon les missiles sont un peu inoffensifs. Il va nous faire son rayon rouge là non? Yes. Là. On attend et on bouge. Ouf. C'était pas loin. Ah il aura sûrement une deuxième forme. Hein. Allez si on peut le tuer avant qu'il fasse son rayon. Nice. Bon bah pas de deuxième forme. Kill Bill, t'es ouf, t'es fou, Trico. Kill Bill, c'est une tuerie. Oh non. C'est ce qu'elle m'a dit. Attendez. Merci. C'est Godzilla! C'est Godzilla! Oh putain! Nani, are... Mais c'est plus des Goliaths, c'est des titans là. Kitakotonai, ça veut dire que j'ai jamais vu. Ah bah attendez, on va se taper contre ça? Il y a un petit côté kiffant, hein, je vais pas vous mentir. Ok. Après, t'as lancé une frappe laser par satellite. Ok. Ok, neutraliser l'émetteur. Tu voulais du boss, tu en as. Ouais, je crois, ouais. On est servi là. Hein. Putain, ça doit être le plus gros boss, toujours confondu, que je me suis jamais tapé. Et j'ai fait Shadow of Colossus. Hein. Attendez, je suis où? Je me perds, moi. Ah. C'est une ville, le machin. Ah putain mais je suis en bas, je crois que j'étais en haut. Je comprends plus rien. Si vous êtes épileptique, partez vite. Hein. Remarque, vous êtes peut-être déjà mort. Hein. Comment ils veulent qu'on lise les sous-titres en même temps? T'arrives au bon moment, Trico. Hein. Lisez les sous-titres pour moi, les amis. Vous me ferez un topo après. Hein. Oh putain. En tout cas, c'est super fluide, ça fait plaisir. J'espère que la qualité est au rendez-vous. Hein. Parce que si c'est tout pixelisé, vous allez encore moins bien comprendre. Alors. Oh. Ah ok, faut tirer sur les lasers, comme ça. Okay. Remarque, attendez, le missile c'est peut-être le bon plan. Hein. Au moins je peux le toucher, même quand il tire son laser, je peux le toucher normalement. Voilà. Ok, lui il est dead. Bon, si c'est que ça, c'est peinard. Hein. Ah, mais attendez, je vous fais pas de dégâts là.
Ah ouais, ça va plus vite comme ça en fait. Et lui il est dead. Allez, die. Nice. Allez, celui du milieu. Ah, si vous aimez le Japon, vous êtes servi. Hein. Si le son est trop fort, dites-le moi aussi. Ça va, ils sont sympas, hein, parce que quand tu vas dans les salles d'arcade japonaises, les shmups, les jeux dans ce style, sont beaucoup plus compliqués. Ah, Battlefield Earth avec Travolta. Ah ouais, ah, on est d'accord, celui-là est bien pourri aussi. Ah merde, c'est pas fini. Qui c'est qui nous parle? Non mais arrêtez de caler des cinématiques de 30 secondes là. Ah, attendez, j'ai peur de lire en fait ce que vous marquez dans le chat. Le film bien pourri, hein. J'ai filé DVD à un pote, il a regardé par tranche de 15 minutes. Oh putain. Ah mais c'est le film où il a des dreadlocks tout piné, hein. C'est vrai que c'est assez joli, hein. Si vous aimez l'univers et tout. Allez. Oh ouais, donne-moi une grosse arme de ouf. Ah ouais, 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 ouais. Le film Dragon Ball. Ah oui, Dragon Ball, oui. C'est vrai que je l'ai même pas regardé. Hein. Alors. Oh, regarde. La puissance. Charge, tirer. Ah, je peux pas viser. On peut que tirer. Il nous faut plus de puissance. Plus de puissance. Tente une approche plus directe. Ah. Oh, il ouvre la bouche. Feu! Je peux pas, c'est pas moi qui vise, hein. Je boule les joysticks, ça fait rien. Feu! Oh, salaud! Plein dedans, madame la marquise. La co-boss. Ah, maintenant on va se le faire. Oula, oula. Nani? Nani? Mazui desu yo. Koko o ridatsu shimashou. Oh putain. Oh non, ils ont niqué nos... Ah non, ça va. Oh, c'est Pascal. Ouh, c'est parti, ça va chier. Vous êtes chaud. Ah merde, il est avec nous, lui. C'est reparti. Je vous rappelle, hein, lisez les sous-titres, vous me ferez un résumé. Hein. J'ai un peu l'impression qu'on s'en fout de ce qu'il dit le Pascalou. Ça a pas l'air bien important. Ah.
Merde. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Oh merde. Ah oui, il se casse, il me laisse dans la merde. Enfoiros. Il va se suicider. Il va nous le faire là, Independence Day. Vous savez, ce bon vieux film Independence Day 2 qui est un bon film, hein, du niveau de Dragon Ball peut-être. Alors. Détruire l'unité, j'ai pas eu le temps de lire. Ça commence à être vite fait le bordel là, hein. Putain, Pascal, ça fait 2 heures que je tire sur Pascal, mais il est avec nous. Ici, là, ça, là. Ah, mais il faut lui tirer dans le cul. Il fallait le dire. Ah ouais, le jeu... Pardon, j'ai dit le jeu est un peu simple... Elle est en train de le faire. Oh, tiens, tiens ma bière, on en reparle. Ce robot, il doit travailler chez Ubisoft. Hein. Ok, 2 sur 4. Ok. Oh putain. C'est quoi ces carrés? Il nous lance des vitres. C'est Carglass. Putain, j'ai les yeux qui commencent à pleurer là. Je suis en train de perdre ma vue. Oh. Je peux pas trop lire, j'ai mal aux yeux, un peu. Oh putain. Ah bah moi qui voulais un boss, je suis pas déçu, hein. En tout cas, c'est kiffant. Hein. Moi, j'aime bien les boss fights qui durent de plomb. Plus je joue à des jeux de Platinum Games, plus ça me donne envie de me faire les Bayonetta. J'ai jamais fait, il paraît que c'est vachement bien en plus. Peut-être qu'un jour, on se fera Bayonetta. Comme ça, on passera d'une petite Android en slip à une grosse Android en cuissarde. Ah non, elle est même pas Android d'ailleurs. Je sais plus. Oh putain. Je suis où? Je suis où? Je suis paumé. Ah, ici. Mon cerveau, il est comme ça. Putain, je suis encore en train de tirer sur Pascal, moi. Faut lui faire un câlin. Il nous force à lui faire un câlin, le salaud. Oh, j'ai pris cher. Je suis mort là. Ah non, ça va. Ok, ils peuvent pas tirer vers l'extérieur. Putain, je tire à côté depuis tout à l'heure. Tire dessus, s'il te plaît. En plus, l'écran est penché. J'arrive pas.
Allez, die. Merci. Allez, plus que deux. Ok, plus qu'un. C'est bon. Allez. Oh non. Attendez. Je viens de voir qu'il y en avait deux autres en dessous, là. Il va falloir se faire les trois. Mais je vais pleurer. Il faut faire... Ça va être le seul boss fight. Faut faire une pause. Oh, c'était chaud. Oh, c'était chaud. Allez, die. Oh, Carglass. Je vais me coucher demain. Ciao Sinzo, encore merci pour le sub. À demain. Demain 9h du mat. Oh. Et bien aux oreilles. To be or not to be. Mais ton pote, le robot qui est à côté de toi, t'as qu'à lui mettre une mitraillette, il est mortel. Mais carrément, il a pas servi à grand chose. En tout cas, gros boss fight, hein. Putain. Ouf. Balèze, hein. Alors. Waouh. Je crois qu'on va faire une petite pause, qu'on va passer sur DVD là. J'ai mes yeux, c'est. C'est de la purée. Ok, alors attendez. Que se passe-t-il? Ah voilà. Ne fait s'il s'est suicidé. Commencez à pêcher. Bah allez, en attendant. Elle s'est rendue il y a 8 heures suite à une frappe d'artillerie, ok? Ah merde, donc il est pas mort. Putain, on a pêché un pneu. Attends, il est occupé le bot là. Détecteur dynamique nécessaire. Ah merde. Okay. Allez, allez. Ah oh, putain, c'est un vieux macro dégueulasse. Bon, on va au camp de la résistance et puis on va s'arrêter là. Attendez, il y a un truc là. Dans ma carte. Oh putain, ça doit être sur l'immeuble. Bon bah c'est mort. Ok. Petite musique sympa. Ah bah il est là. Ah non c'est... Ah putain, j'ai cru que c'était 9S.
Putain, c'était stylé. Elle est dead. Il pense qu'à pêcher l'autre. Hein. Dès qu'on s'arrête, il veut qu'on pêche. C'est sa passion. Cheveux rouges. Pas le temps de me faire chier avec vous. Mille de pognon comme ça, tranquille, très bien. Alors. Allez, ouh, attends, il y a un truc dessus. Alors, on va se transférer au camp de la résistance. On va sauvegarder déjà. Transfert. Camp de la résistance. Indisponible en raison d'interférences radio. Mais niquez-vous ! Quel est le plus près ? Le plus proche ? Le plus proche de la résistance. Attendez. Résistance, c'est ici, je crois. Non, ça, c'est la forêt. Ah oui, c'est la forêt. Ah, la map dans ce sens. Désert. Résistance ici. Non, ça c'est où j'étais. Collection de tampons, donc c'est où il y a le cirque. Résistance. Village de Pascal. Attendez, je suis teubé. Usine. Attendez, perdu. Voilà. Dézoomons. Le désert. Forêt. La forêt, on s'en fout. Désert, voilà, donc là on a le désert, comme d'habitude. Ça c'est quoi? Ça c'est le désert encore. Oh, c'est qui ça? Magasin d'Emily. D'Emile. Oh, cité en ruine. Cité en ruine. Ah, c'est là. Donc le plus proche c'est... Ah mais c'est où je suis? Quel blaireau. Bon, on n'a plus nos fesses avec nous. Écoutez. Ah oui, faut remonter tout ça. こちら 2B。 実は各地のアクセスポイントが壊れてしまったみたいで、超巨大機械生命体の EMP 攻撃の影響みたいです。もし移動中に壊れたアクセスポイントがあったら、修復をお願いします。了解。OK。On est passé en mode mécano maintenant. Alors, le camp de la résistance.C'est sympa cette petite musique. On va parler à la meuf, on va sauvegarder, puis on va s'arrêter. Nanika Yoka, bijakna black box shingo o kenchi dekiru, tokushuna scanner o sagashiteiru. Tokushuna scanner? Ah.奴らが作っていた機械か。ちょうど遠征から戻ってきているな。そのあたりに赤い髪のアンドロイドがいるから、そいつに聞いてみろ。トゥビ、赤い髪のアンドロイドは、いや、なんでもない。え？j'ai rien compris là. La fin du dialogue, j'ai rien compris. Oh! Bonjour. なんだお前。そんないきなり喧嘩腰はダメじゃない。エロスはラモ。ポポルは不用心すぎるんだよ。ごめんなさいね。何かご用心。微弱なブラックボックス信号を検知できるスキャナーを探している。ああ、そういえば前にそんなのを作ったな。
こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすれば創作の手助けになるわ。Oh, c'est tout. Elle est où la baise? Il y a toujours une baise. Popola, mais quel nom nul, putain. Vous avez récupéré un programme de pod. Détecte, ok. Utiliser le détecteur et trouver l'unité, ok. Ah, c'est tout. Oh, ça va, c'était rapide. Regardez, Popola. Putain, la pauvre. Alors, attendez, comment je change de pod? C'est pas ici. Ça doit être là dans programme de pod. Mitrailleuse, missile. Ah, et là on peut changer. Envoie des ultrasons pour détecter des objets invisibles proches. Il faut le faire manuellement. Attendez. Putain, faut le faire manuellement. Non mais attendez, on va pas se faire toute la map comme ça. Ah si, j'ai l'impression. Oh, qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Désolé, ce terminal est hors service. Salaud. Ses parents lui voulaient du mal. Un petit peu, ouais. Popola, c'est pas ouf comme nom. Hein. On va pas se mentir. Allez, on va sauvegarder. Oh. Regardez, c'est le lit de 9S. Il est mort. Ah, oh, il est pas mort. Une pause, oui, petite pause s'il vous plaît. Popola, putain, j'y crois pas, c'est vraiment... Si vous avez une idée de nom plus nul dans le chat, dites-le moi. Ah, c'est tout, on se repose comme ça? D'habitude, ils nous proposent de sauvegarder ou quoi que ce soit. Souhaitez-vous faire une pause? Non. Je suis gouré de lit. Souhaitez-vous faire une pause? Oui. Dernière fois, on s'est allongé, nous a demandé si on pouvait sauvegarder. Popolo. C'est vrai que Popolo, c'est pas ouf non plus. Ah, on s'était bien trompé de lit. Non? Ok. Bah. Ok. Et du coup, celui-là, on peut pas sauvegarder. Et merde. Alors attendez, il faut qu'on trouve un qui marche du coup. Le plus près, ce serait celui-là. Et j'ai pas envie de me retaper. Ce serait celui-là du coup. Titan en ruine. Putain, il venait de nous... Oh. Peut-être que celui-là, il marche, remarque. Attendez. Un peu de patience. Voilà, regardez sa culotte pendant que je joue. Pensez à autre chose. Ah, il y a un point noir qui vient d'apparaître. Ah mais non, mais ce point noir, c'est ce truc là, on sait toujours pas ce que c'est. Ok. Ah oui, ça non plus, on sait toujours pas ce que c'est. Putain. Ok. Bon bah tant pis, on va aller. Calme-toi. Ici. Sauvegarder. Merci. Et du coup, on se balade avec ça activé? Attendez, mais pourquoi je l'ai pas sur ma carte le truc pour sauvegarder? What? Attendez, on le voit sur ma grande carte, on le voit pas sur cette carte. Ah, ça y est. Il est en haut. Le jeu ne veut pas que tu t'arrêtes, je crois. J'ai l'impression. Moi, je veux juste sauvegarder, les mecs. Ah, mais attendez, il est où?
Il est en dessous? Ah non, il est là. Ok, j'ai eu peur. Salaud! Oh putain! Mais je vous... Pourquoi il se met sur moi? Je t'ai rien fait! Espèce de facochère! Je me fais défoncer! Je vais juste sauvegarder! On vient de lui faire 500. Oh non non, j'en ai marre. Les trucs qui nous tirent dessus, c'est bon, j'ai donné. Ça y est. On va pouvoir sauvegarder. Putain, faut la mériter sa sauvegarde dans ce jeu. Hein. Bon, et on sait toujours pas à quoi ça sert ce truc de scanner. Ok. Enfin! Attendez, sauvegarde rapide, ça compte. Ça compte comme une vraie sauvegarde. Hein. Pas que j'éteins le jeu et que qu'on se retrouve 2 heures en arrière. Ah voilà, sur cette vue magnifique. Attendez. Voilà. J'essaie de joindre l'agréable à l'agréable. Voilà, c'est pas mal comme ça la vue. Premier plan, arrière-plan, ça c'est la composition, vous voyez le photographe dans l'œil. Boum. Vous réglez le flou sur le plan que vous voulez. Bon les amis, ça fait 3 heures qu'on est dessus. Je vous avoue, je commence à avoir mal aux yeux là. Ouf. Une autre séquence, un autre boss comme ça, je pense que mon cerveau explosait. Hein. Je sais pas vous. En tout cas, c'était grave cool. On va se faire une petite pause de 5-10 minutes, tranquille. Et on va passer sur du Dead by Daylight. Est-ce que je coupe le stream ou pas? On est à 7 gigas. Il faut que je stream demain. Vous savez quoi? On va couper le stream. Mais je reviens, vous inquiétez pas. Je reviens. On coupe le stream. Je reviens dans max 10 minutes. Hein. J'ai le chronomètre hein, sous les yeux. Et on revient sur du DBD. Voilà, on fait comme ça. Des bisous, à tout de suite.